l'un des projets aujourd'hui pour lesquels nous vous invitons à cette conférence de presse, qui est les lauréats internationaux sur la trace, sur la, les traces de la marche verte. Dans le cadre du 46e anniversaire de la marche verte, nous avons décidé, nous les lauréats qui sommes formés ici au Maroc, d'organiser un événement inédit qui s'intitule la caravane des lauréats ASLEM, les lauréats internationaux sur les traces de la marche verte. Alors pourquoi cet événement? C'est d'abord un signal fort que nous donnons à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste, par rapport à sa vision éclairée qui consiste à mettre l'accent sur la jeunesse, sur le capital humain qui est clé de voûte du développement de l'Afrique à travers toute cette coopération de l'Agence marocaine de coopération pour permettre à ce qu'on forme ces lauréats. Donc pour nous, on devait le remercier en organisant cette caravane-là, tout d'abord pour exprimer notre soutien à la marocanité du Sahara et en même temps permettre au peuple marocain d'avoir, de rassembler cette cause, autour de cette cause nationale, tous les lauréats dans les 12 régions du Maroc, pour dire que oui, le Maroc, c'est un carrefour historique et surtout culturel de brassage, puisqu'on est très bien reçu, bien intégré ici au Maroc. Alors, l'objectif secondaire de cette caravane, c'est de découvrir également les potentialités des régions du sud du Sahara marocain. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez tous, le modèle économique du Maroc prône une croissance économique à 6 chiffres et surtout orientée vers les régions dans la promotion également de tout ce qui est croissance inclusive. Donc pour ça, nous les lauréats qui sont formés ici, on a décidé de ramener tous ces lauréats qui sont des entrepreneurs pour aller découvrir les potentialités des régions du Sud et surtout accompagner cette vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste, afin que Dakhla soit un hub de cette Afrique de demain, surtout lorsqu'on parle de la ZLECAF. Il y a aussi un aspect humanitaire dans cette activité. Les lauréats qui sont dans les spécialités ici au Maroc en médecine se sont regroupés et ont décidé de consacrer 2 journées de consultation gratuite à Dakhla, à l'hôpital Hassan II de Dakhla, destiné aux personnes vulnérables en partenariat avec les autorités locales sanitaires. Donc il y a aussi un aspect, il faut le dire, nous sommes un catalyseur également de talents. On veut mettre ces talents au service de ce secteur privé du Maroc qui s'internationalise, qui s'externalise sur le continent africain. Donc pour ça, nous allons organiser en partenariat également avec notre partenaire privé qui est Atijari Wafa Bank, un carrefour de recrutement, permettre à ce que ces talents soient au service de ces entreprises marocaines qui veulent s'internationaliser au Maroc. C'est ça aussi l'objectif d'ASLEM, permettre à ce qu'on soit un catalyseur de talents et accompagner surtout cette relation entre le Maroc et ses partenaires africains. في إطار الاحتفالات بعيد المسيرة الخضراء المضفرة قمنا بعمل شراكة وتعاون مع منظمات إفريقية وأجنبية منها منظمة إسلام اللي إن شاء الله غادي تكون مسيرة من مدينة الرباط إلى مدينة الداخلة وإن شاء الله غتكون فيها قافلة طبية ومؤتمر خاص عن المسيرة الخضراء وإن شاء الله غيكون شراكات عقد شراكات وغيكون زيارة للقنصليات اللي بمدينة الداخلة وزيارة لبعض من المعالم التاريخية لمدينة الداخلة و مواقع سياحية يعني هذا العمل اللي غادي نقوموا به مع إخواننا الأفارقة هو تعزيز قضية الصحراء يعني زيارة مدينة الداخلة يعني وزيارة القنصليات المدينة الداخلة هذا يؤكد عن أن الصحراء مغربية أبا عن جد
à ce que ce modèle de développement soit déployé.